Alléluia, Seigneur, nous acclamons notre Rédempteur. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que mon Rédempteur vit. Merci Père de ce que tu vis. Je sais, ah, je sais, mon Rédempteur vit. Que quiconque espère en toi ne sera pas confus. Je sais, quiconque te prendra pour appui n'aura point à te fuir. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que tu entends les prières et que tu les exauces. Je sais que tu as compassion. Je sais que tu pardonnes et tu guéris. Ah, je sais. Je sais que cette fois le juste tombe et tu le relèves. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que tu as compassion de ceux qui te craignent. Je sais. De ceux qui ont de la révérence. Je sais que tu te laisses prouver par ceux qui te cherchent. Je sais que tu entends les cris des justes et tu réponds. Oh, je sais que tu ne dédaignes pas un cœur brisé. Je sais que tu as compassion de celui qui s'humilie. Je sais que mon Rédempteur. Je sais que je peux approcher du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru, soutenu, fortifié dans tous mes besoins. Je sais que là où le péché avait abondé, ta grâce a surabondé. Je sais que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Je sais. Père, je sais que je sais. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que tu es juste et bon, que tu es le Dieu de compassion, que tu as miséricorde et compassion de ceux qui te craignent. Tu ne dédaignes pas les cœurs qui s'humilient. Ah, je sais, Seigneur, je sais que tu entends les cris, je sais que tu réponds aux assoiffés. Tu te laisses chercher, tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et qui s'humilient. Je sais que tu ne laisseras pas nos vies banales. Je sais que tu ne laisseras pas ma vie où elle est. Parce que tu entends le cri de nos cœurs. Tu réponds au cri des assoiffés. Oh, je sais. Je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais qu'il existe une dimension en Christ. Je sais que la parole est la vérité. Que ce qui est écrit peut encore s'accomplir aujourd'hui. Je sais que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors je sais qu'il existe une dimension que je n'ai pas encore vue. La dimension de déversement d'Esprit Saint et de puissance. Où
tu atterris dans le pays, où tu atterris dans la ville, où toute la ville s'assemble pour écouter la parole de Dieu, où on dit que tu fais tout à merveille, où l'on dira jamais homme n'a parlé comme cet homme, où l'on dira encore dans mon époque, assurément, ce Jésus dont il parle, ces jeunes-là, ces jeunes gens, fait tout à merveille. Je sais que ce n'est pas fini, je sais que ça n'appartient pas au passé, je sais que par le Saint-Esprit, tu agis encore aujourd'hui pour écrire l'histoire de l'expansion de ton règne dans notre génération. Je sais que tu n'as pas dit ton dernier mot, je sais que tu peux le faire, je sais qu'avec peu, tu peux faire beaucoup. Alors réveille l'armée des disciples, réveille l'armée consacrée, l'armée qui te prend au sérieux, l'armée qui sur ta parole, l'armée qui décide d'en finir avec la légèreté, avec l'impureté, avec le péché, avec les compromis, avec la mondanité, avec la banalisation du péché. Réveille l'armée qui a en horreur le péché, qui a de la révérence pour toi. La Bible dit que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Réveille cette génération qui a la haine du mal, la haine du péché, non, qui en a, qui a en horreur la cohabitation. Je sais que tu n'as pas changé. Je sais. Manifeste-toi, nous te prions. Aie compassion de nous, délivre-nous, envoie ta parole. Tu guéris par ta parole, tu délivres par ta parole. Tu ouvres les yeux par ta parole, tu brises les jours par ta parole. Je sais, Père. Oh, je sais. Je sais que tu existes, je sais que tu vis. Je sais que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors réveille une armée, réveille une église qui va te chercher comme elle t'a jamais cherché et que tu vas rémunérer. Tu vas rémunérer par un résultat, par Seigneur, par un résultat qui s'appelle, qui n'est autre que l'exaucement. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors accorde-nous la grâce de payer le prix requis pour te chercher et continuer de chercher et continuer de chercher pour frapper et continuer d'implorer et continuer de supplier jusqu'au déferlement, jusqu'à l'effusion du Saint-Esprit. Ah, je sais, tu n'as pas dit ton dernier mot. Ils ont dit que la France, c'est le cimetière des églises. Mais moi, je sais que ce n'est pas ce que tu as dit sur la France. Car tu as pour ce pays des projets de paix et non de malheur, pour lui donner un avenir et de l'espérance. Tu as pour la francophonie, ils ont dit francophone, toujours les derniers. Mais je sais que les derniers seront les premiers. Je sais que c'est possible. Il faut seulement un peuple, il faut seulement une église qui accepte de payer le prix et de t'honorer, et de te remettre au centre, de te mettre à l'épreuve, de te redonner le pouvoir. Je sais qu'avec 5 pains et 2 poissons, tu peux faire beaucoup. Alors avec une vie insignifiante sur laquelle personne n'a parié, avec personne sur laquelle personne n'a misé, je sais, tu ne regardes pas la taille, tu ne regardes pas la face, tu ne regardes pas la race, tu ne regardes pas la grâce. Je sais, Seigneur, je sais que des gens qu'on n'a pas considérés, tu les as considérés. Alors je ne sais pas pour mon voisin, moi je ne suis pas satisfait parce que je sais que ce n'est pas le meilleur. Je sais que ce n'est pas encore le plan parfait. Je sais que ce n'est pas encore la dimension que tu as réservée. Je sais que ce n'est pas ça que tu attends. Je sais que tu veux faire plus. Alors nous t'implorons, rends-nous enceinte de toi, enceinte de tes fardeaux, enceinte de la dimension, enceinte de la vision céleste que tu verras nous manifester dans notre époque. Ah, je sais. Tu n'as pas prévu que nos vies restent ce qu'elles sont aujourd'hui. Oh, nous te rendons grâce pour le progrès. Nous te rendons grâce pour ce que tu as commencé.
Je ne sais pas pour les autres, mais je sais, tu as déjà beaucoup fait. Mais lorsque je regarde à l'intérieur, lorsque je regarde le potentiel, lorsque je sens, j'ai un témoignage de mon esprit qui me dit ne sois pas encore rassasié, ce n'est pas fini. Ce que Dieu voulait faire, il n'a pas encore fait. Ce que Dieu voulait déverser, ce n'est pas encore déversé. Ce que Dieu voulait manifester, n'est pas encore manifesté. Ce que Dieu voulait écrire dans ton jet à ta génération, n'est pas encore écrit. Alors refuse la satisfaction, refuse d'être repu, refuse d'être content. Et tu peux être dans le contentement, mais ne sois pas satisfait. Il y a mieux que cela, il y a plus qui doit sortir. Il faut que l'on voie Christ pleinement. Il faut que ma génération revienne à Dieu. Il faut qu'elle reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur. Je sais que tu peux le faire avant le retour de Jésus, avant l'enlèvement. Seigneur, envoie la pioche pour piocher une poisson d'âme sans précédent ici en France et en Europe et dans toute la francophonie. Et je sais que tu nous as suscité dans cette époque, dans ce temps-ci. Ce n'était pas par hasard. Je ne suis pas né là où je suis né, au moment où je suis né par hasard. Je sais qu'il y avait un plan, parce que ma Bible dit, tu fais toutes choses pour un but. Je suis né dans cette époque, je suis sur la terre au 21e siècle. Il y a un but à ça. Le but, ce n'est pas chauffer les sièges de l'église un dimanche. Non! Il y a une lumière qui doit briller, il y a une vie qui doit être utile, il y a une vie qui doit compter, il y a une histoire qui doit être écrite. Ah, nous t'implorons, Alayaraba, Shakata, les robots, Sahilaraba, Yaraba. Oh, je sais. Je sais qu'il y a plus qui doit sortir de moi. Est-ce que toi aussi tu sens qu'il y a plus? Tu es reconnaissant, mais tu sens qu'il y a, encore trop d'avoir à l'intérieur. Il y a trop de soupirs, il y a une sainte colère, il y a une soif, il y a un cri à l'intérieur. Il y a un gémissement profond. Est-ce que c'est ton cas? Je ne sais pas. Aïe, 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 aïe. Seigneur, je te prie, on ne doit pas rester là. Merci pour ce que tu as fait. Mais allons en eau profonde, allons en immersion, allons en hauteur, allons en largeur, allons en longueur, allons en profondeur. Il faut que Christ soit pleinement déployé dans mon époque. Et le jour où je repartirai dans la tombe, je repartirai vide, parce que Christ aura été pleinement libéré dans ma génération. Le cimetière sera vide, parce que Christ sera sorti. Christ sera sorti. Christ sera sorti. Il n'y aura plus rien qu'une carcasse, un corps. Mais le résident Christ aura été déployé dans mon époque, dans ma génération. Allez, mon frère, accompli. Accomplis ce cri de nos cœurs. Yarama Sele Karama Mayere Korama Sate Yarama. Ah, je sais. Oh, je sais, je sais. Je sais. Je sais, je sais, je sais. Je sais. Je sais, je ne sais pas pourquoi, mais moi je sais. Voilà pourquoi j'acclame. C'est parce que je sais. Il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas encore fini de sortir de moi. Il n'a fait que commencer. Ma génération verra Christ. Ma génération, je n'irai pas dans la tombe tant que Christ n'aura pas été pleinement exprimé, pleinement sorti, déployé. Je sais. Cette dimension est possible. Je sais. Je sais. Par la puissance de ton esprit, fais-le. Il s'agit de toi. Nous t'implorons. Magnifique esprit de Jésus. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Rends-nous enceintes de ta volonté. Et fais-nous accoucher la parole qui est conforme à ta seule volonté. Pas le discours de l'homme, pas la sagesse humaine, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Nous t'implorons, magnifique esprit de Jésus, glorifie Jésus. Amen, amen, amen. À toi Dieu notre Père.
qui entend et qui agrée nos prières. Parce qu'elles sont conformes à ta volonté. Elles ne connaîtront pas une autre issue. En dehors de l'exaucement, tu feras paire bien infiniment. Abondamment au-delà de ce que Père nous demandons. Par ta puissance qui agit en nous, tu ne laisseras pas nos vies banalement. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour que je chope des sièges le dimanche à l'église, non. Le sang a coulé pour qu'une histoire soit écrite. Le sang a coulé pour que cette vie compte. Le sang a été versé pour que ce vase serve à tes desseins, à l'accomplissement de ta volonté. Alors, onction de Dieu, fait la différence ce matin. Envoie ta parole. Brise les jougs, ôte les fardeaux. Embrase nos cœurs. Ramène-nous à la vérité. Emmène-nous à la repentance. Intensifie la soif de voir Christ formé et révélé. Réveille un peuple, réveille une armée. La génération Josué, la génération des disciples, la génération de ceux qui décident de mettre de l'ordre, d'expulser le péché, d'expulser la légèreté, d'expulser ce que tu as en horreur, et de s'attacher fortement à toi, à la vérité, et de se donner tout entier à Jésus. Plus de compromis, plus de cafouillage, plus de désordre, obéissance non plus partielle, mais obéissance totale. Ô glorieux Saint-Esprit, tu as commencé cette œuvre. Tu la rendras parfaite. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. I know you can do it, oh God. You can do it and you will do it. In Jesus' name. Amen. Hallelujah. Bienvenue à un